Bonjour Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne vidéo consacrée à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, nous allons voir quelques principes pour vous aider à être de plus en plus heureux, vous libérer des peurs et de tout ce qui vous oppresse, vous limite et plus généralement du malheur en général qu'il peut y avoir sur votre vie. Ce qui compte dans l'éveil de la conscience, c'est bien de comprendre les principes, comment ça fonctionne. Et une fois que vous connaissez la bonne recette, vous allez obtenir le bon résultat. Donc, un des principes, par exemple, quand on a un problème, qu'on a du malheur, de la misère, des peurs, de la déprime, etc., tout ce mal de vivre, c'est ce principe, ce n'est pas de s'occuper du problème, mais de la cause du problème. S'occuper de la cause plutôt que de s'occuper du problème. Occupez-vous donc de la cause du problème que du problème. Maintenant, je pense que la plupart d'entre vous sont d'accord avec ce principe, ça semble même assez évident. Remarquez quand même que la tendance, c'est de s'occuper directement du problème et non de ce qui l'a causé. Donc même si c'est simple, même si c'est évident, les habitudes font que nous nous occupons la plupart du temps des effets et non des causes. Et maintenant, pour aller un petit peu plus loin, pour vous donner des indices, c'est quoi les causes de tous nos malheurs, de toute notre misère, ce qui fait que la vie est parfois difficile et que nous ne vivons pas dans le bonheur permanent, que nous ne cheminons pas sur ce chemin d'éveil de la conscience avec légèreté. Eh bien, la cause, elle est simple, ce sont nos croyances, ce sont nos systèmes de croyances et de conditionnement. Autrement dit, pour trouver la cause, ce que vous pouvez commencer à faire en premier pour être chaque jour de plus en plus heureux et éveillé, c'est de prendre conscience des systèmes de croyances qui vous oppriment. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'ai admis comme vrai sans l'avoir directement vérifié par l'expérience? Qu'est-ce que je crois en ce moment qui fait que je ne suis pas aussi heureux que je pourrais l'être? Quelles sont les pensées en ce moment qui créent mon malheur? Et si je n'avais pas ces pensées, je me sentirais beaucoup mieux. Posez-vous profondément et sincèrement ces questions. Vous n'avez pas besoin de système de croyance. Vous n'avez pas besoin de croire quoi que ce soit pour être heureux. La vérité se suffit à elle-même. C'est tout pour aujourd'hui. C'est à vous d'investiguer, de vous poser des questions. L'espace des commentaires sous cette vidéo est là pour compléter cette vidéo. Donc posez-moi vos questions, remarques et commentaires à propos de ce thème. Donc 1. Aller du problème à la cause du problème et s'occuper de la cause plutôt que le problème. Et 2. Et si la cause de tous nos malheurs, c'était juste les croyances, ce que vous croyez à propos de la vie, à propos de vous-même bien entendu, à propos des autres, à propos du monde, qui causait toute la souffrance dans notre vie. C'est ça que je vous propose de vérifier en commençant à identifier, tiens, quand je crois ça, est-ce que je ne souffre pas? Et si je ne le croyais plus, est-ce que je ne souffrirais pas? Et là, vous allez pouvoir identifier cette véritable cause. Donc, posez-moi vos questions en dessous de cette vidéo. Remarques, commentaires, expériences, qu'est-ce que vous avez identifié comme croyance qui vous fait souffrir? Et puis, je répondrai personnellement aux commentaires qui me seront faits. Et je vous dirai, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil de la conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, partagez-la et cliquez sur j'aime. Beau chemin d'éveil de la conscience. À bientôt.